Qu'un jour nous puissions régner avec lui. Et c'est ce désir-là qui l'a amené à la croix. Parce que Dieu, dans sa volonté de ne pas être seul, a créé l'homme, parce que Dieu, c'est le seul qui est objet d'adoration de manière originale. Mais les autres objets d'adoration, les petits dieux, c'est des imitateurs. Et c'est après la chute que tout cela s'est multiplié. Mais Dieu t'a créé, m'a créé pour que je l'adore et que je règne avec lui, puisque c'est son désir. Et il est dit clairement que le Seigneur, dans Hébreux 2, vous pouvez lire ça, au verset 10, il convenait, Hébreux 2, verset 10, il convenait que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, des fils parvenus à la gloire qui vont régner avec lui. Amen. Il nous veut avec lui, voyez, et c'est pour cela que comme il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, il était convenable qu'il ait élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Amen. Les souffrances du Seigneur à la croix avaient pour but notre rachat et notre perfectionnement. Amen. Il nous rachète et il nous prépare. Il nous sépare au fur et à mesure des choses inconvenables et inconvenantes qui ne sont pas destinées à nous, mais qui se sont collées à nous sur le chemin pendant que nous marchions. Ce n'est pas notre nature. Alors, comme il fallait nous donner la possibilité de sortir de ce qui nous a pris en otage, le Seigneur a donné sa vie. Il convenait que celui pour qui et par qui sont toutes choses. Vous voyez que celui pour qui et par qui sont toutes choses, c'est Dieu seulement. Et il n'avait pas besoin forcément de nous. Mais dans sa bonté, il avait dans son cœur chacun de vous et moi. Et il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. N'oubliez pas ça. Le désir de Dieu, c'est que toi et moi, nous soyons conduits à la gloire. Vous pouvez prendre rappel sur ce qui s'est passé en Égypte. C'était un peuple prédestiné. Ce n'était pas n'importe quel peuple que Dieu allait faire sortir de l'Égypte. C'était des prédestinés. Dieu avait parlé à leur père Abraham, comme il a parlé à notre père Abraham. Amen. Et ils sont la descendance naturelle, mais nous, par la grâce de Dieu, nous sommes cette postérité par Jésus-Christ notre Seigneur, les enfants de la promesse. Et comme Dieu voulait conduire, selon sa promesse, à la gloire, dans un pays de paix et de liberté, dans un pays où coule le lait et le miel, dans un pays où ils seront épargnés de l'esclavage par lequel il passait depuis beaucoup d'années, Dieu lui-même est venu et a mandaté un homme pour aller les faire sortir. Et Dieu lui-même était là
pour conduire et diriger son peuple et pourvoir à leurs besoins sur la route. Vous voyez que c'est la même chose. Les choses qui sont passées pour Israël se répètent pour vous et moi. Israël n'avait aucune force de se délivrer de la puissance qui dominait sur eux. L'Égypte était une puissance mondiale à ce moment-là et personne ne pouvait se lever comme ça et puis sortir et puis ne pas risquer sa vie. Mais Dieu soit loué. Il y avait une promesse qui avait été faite à un peuple particulier et c'était qu'après 400 ans, je vais intervenir à bras puissants et je vais les délivrer. Amen. Pour les faire sortir et les conduire dans le pays que j'ai dit à mon serviteur Abraham, à mes serviteurs Isaac, Jacob, que j'allais leur donner. Je vais accomplir ça. Le temps aussi est venu pour vous et moi. Dieu a envoyé le messager pour nous faire sortir de l'esclavage dans lequel nous étions déjà habitués. Voyez, on était habitués. On dit, ah, tu es chrétien, je suis méthodiste. Tu es chrétien, je suis ceci, je suis ceci. Bon, on avait de la place dedans. Mais ce n'était pas notre place définitive. C'était une place en attendant. Et Dieu est venu, et à bras puissants, par des interventions merveilleuses, des miracles, des prodiges, a attiré notre attention sur ce qui se passe dans notre temps. Que Dieu soit loué. Qu'est-ce qu'il voulait au temps d'Israël? C'est les conduire à la gloire. Sur le chemin, il devait montrer à tout ennemi qui s'opposait à l'entrée d'Israël dans les promesses de Dieu, que lui, Dieu, rien ne lui est impossible. D'abord, il a vaincu l'Égypte. Et l'Égypte, poursuivant, a été noyée dans la mer. Et Israël a continué sa marche. Quand l'homme manquait, Dieu n'a pas creusé un puits. Il a frappé le rocher le plus dur. Je crois que c'est dans Néhémie que cela est dit, du rocher le plus dur, c'est là que Dieu frappa. Il a dit, fais, frappe ce rocher-là. C'était la préfiguration de ce qui allait se passer sur la montagne du Calvaire, le mont Calvaire. Là, le Seigneur allait encore et une fois pour toujours être frappé à notre place. Et la vie qui s'est écoulée depuis ce rocher a permis à Israël de traverser le désert sans problème. Oh, Dieu soit loué. De Golgotha, la source a jailli pour vous et moi. Nous pouvons continuer la marche renforcée par la vie que Dieu nous donne. Amen. Oui, c'est Dieu seul qui pouvait faire ça. Lui, il ne creuse pas en bas. Il fait venir de l'eau d'en haut. Il ne va pas dans les bas-fonds. Il tape le rocher. Il dit, Moïse, frappe le rocher. Et l'eau s'est ouverte. C'est la meilleure eau. Alléluia. L'eau de Dieu. Donc, Dieu est capable. Quand il nous a fait sortir, les obstacles, il a le pouvoir de les vaincre. Et le désir de Dieu, c'était de leur faire connaître sa gloire, éprouver leur cœur pour savoir s'ils vont s'attacher à lui ou pas. Il y en a qui se sont détachés, c'était leur position. Il y en a qui se sont attachés et ils sont arrivés, selon la promesse de Dieu, là où Dieu a dit qu'ils vont arriver. Frères et sœurs, nous sommes dans la même position. Dieu nous a fait sortir, nous avons été rachetés. Dieu avait à cœur de conduire à la gloire beaucoup de fils. Fils ici inclut les sœurs. Amen. Amen. Oui. Il voyait une Marie de Magdala qui avait des problèmes. Il l'a sauvée. Il a sauvé Zachée aussi. Voyez, donc, dans les deux gens, par la grâce de Dieu, Dieu sauve. Ah, merci beaucoup. Excusez-moi, ceux qui sont en train de regarder, pardonnez-moi, je n'ai pas fait attention. Que Dieu soit loué. Donc, mes bien-aimés, c'est important pour vous et moi de savoir qu'il y a un objectif. Quand Dieu nous a rachetés, c'est pour nous conduire à la gloire. Donc, ne vous contentez pas des choses
vraiment qui sont peu glorieuses, montons un peu. Montons progressivement, de gloire en gloire. En contemplant le Seigneur, nous pouvons y parvenir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pour ça que nous avons chanté ce beau cantique. Que Dieu soit loué. Jésus Sauveur, je t'aime. Toi qui mourus pour moi et qui veux que je règne avec toi dans le ciel, moi aussi je t'aime. Je suis d'accord. Jésus a dit, les géants que vous voyez là, nous aussi on les a vus. Mais nous on a vu celui qui est au-dessus des cieux, des cieux. Alléluia. Notre géant là, lui il est plus fort. Ils seront comme du fumier. Comment il parlait? De quoi il parlait? Ce n'est pas Josué qui pouvait le faire. Mais le Seigneur allait marcher sur eux et Josué allait marcher sur eux. Le Seigneur allait lui-même s'occuper d'eux et Josué allait marcher dans les traces du Seigneur. C'est pourquoi, quand il a vu cet homme qui avait l'épée nue, il a été rassuré quand il a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je viens maintenant. Josué comprenait que il ne peut pas venir contre les promesses qu'il a faites à Abraham, Isaac et Jacob. Il venait pour les accomplir. Alléluia. Et aucune armée ne pouvait tenir. Et il n'avait pas besoin de tanks ni de bombardiers pour faire tomber les murs de Jéricho. Il fallait simplement louer et Dieu poussait la chose. Amen. Son souffle suffisait pour que tout se renverse. Alors ayons confiance. Quelles sont les difficultés que tu as? Mon frère et ma soeur, ne t'inquiète pas. Comprends simplement ta vocation. Tu dois être conduit à la gloire et tu dois refléter cette gloire-là déjà sur la terre. Si tu as compris ça et que c'est ça ton objectif, le reste, Dieu s'en occupera. Amen. Que Dieu soit loué. Levons-nous pour faire une lecture. Je vais prendre juste un morceau de ce que nous avons écouté dernièrement. Et ça m'a marqué. Et je souhaite qu'on revienne là-dessus. 2 Corinthiens 3. Je vais prendre la partie du verset 2, un peu plus haut. C'est l'apôtre Paul qui parle et il parle aux Corinthiens. L'Esprit de Dieu parle à nous ce soir, à nous tous, y compris celui qui lit. Amen. Amen. C'est vous les rachetés. C'est vous ceux que le Seigneur veut conduire à la gloire. Les beaucoup de fils que Dieu veut conduire à la gloire. C'est vous. Parce que ceux qui ont l'Esprit de Dieu, ce sont ceux qui sont enfants de Dieu. C'est vous qui avez accepté le rachat qui a eu lieu pour vous. Amen. Les Corinthiens étaient des païens comme vous et moi. Mais quand l'évangile, la bonne nouvelle, voyez, le message divin du salut est parvenu pour leur montrer comment Dieu sauve, ils y ont cru. Ils ont cru, mais vous savez, Dieu va les amener de perfection en perfection. Ils ont connu des difficultés. C'est une église qui a connu beaucoup de difficultés. Amen. Ils avaient beaucoup de dons, beaucoup de choses merveilleuses. Mais en même temps, les choses qu'on ne pouvait pas décrire ailleurs, on pouvait les trouver là-bas. Mais ils ne sont pas restés à ce point. C'est d'eux. C'est de ces Corinthiens-là que Dieu parle. Et c'est de vous et moi que Dieu parle. Regardez bien. C'est vous qui est notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Amen. Est-ce que cette lettre que les apôtres ont écrite au temps des Corinthiens, et il dit avec joie, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes, est-ce que c'est le cas? Est-ce que quand tu te regardes, est-ce que cette lettre-là a sa place pour toi et moi? C'est le moment de s'examiner. Parce que c'est plus tard dans le chapitre 13, le verset 5, il dit, examinez-vous vous-même.
Que chacun s'examine à la lumière de la parole de Dieu qui se reflète là. Pour voir si ce qui est écrit, je suis en train d'expérimenter cela. Est-ce que l'apôtre peut dire la même chose de toi et moi? Continuons la lecture. Vous êtes manifestement une lettre. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Oh là là, ce n'est plus même des apôtres. Mais les apôtres agissent au nom de Christ. Amen. Il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Amen. Et il va expliquer. Ce n'est pas à dire que nous soyons capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose comme venant de nous, de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Que ce soit les apôtres, que ce soit ceux qui ont accepté de recevoir le message divin du salut dans leur temps, leur capacité vient de Dieu. Et nous aussi, nous sommes dans la même veine. Remercions le Seigneur, notre Père et notre Dieu. Ce soir, nous te remercions parce que ta parole est la vérité. Et nous sommes heureux de voir que tu nous sanctifies par ta vérité. Car ta parole, oui, ta parole est la vérité. Il n'y a rien d'autre. Oh, merci Seigneur. Gloire et honneur soient rendus à toi seul, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir, mes chers frères et sœurs. On aurait pu déjà commencer à prier, parce que la lecture de la parole de Dieu seul suffit. Amen. Paul était heureux. Il y a eu du chemin parcouru. Le message était parvenu à Corinthe des années plus tôt. Des hauts et des bas ont été vus, observés dans cette église de Corinthe. Mais à un moment donné de la vie et de la marche, il y a un bilan à faire. C'est devant là-bas, Paul va inviter chacun à faire son propre bilan pour voir les choses qui restent. Il dit, examinez-vous vous-même. Mais c'est ici le constat que l'apôtre va faire. Il dit, par le Saint-Esprit, vous êtes notre lettre. Nous n'avons pas besoin de lettres de recommandation pour venir vers vous ou de lettres de votre part pour aller ailleurs pour dire que vraiment, c'est des serviteurs de Dieu. Quand les gens voient ce que vous êtes, ils se rendent compte que nous avons été mandatés. C'est ce que Paul disait. Est-ce que vous comprenez, frère? Nous avons la joie de parler du prophète. Nous parlons du prophète de notre temps, avec un ministère confirmé. Nous parlons du serviteur fidèle et prudent, avec un ministère confirmé, un mandat divin pour notre préparation. Mais c'est ce que nous sommes parvenus, ce que nous sommes parvenus à être maintenant là, c'est ça qui est la confirmation aux yeux des autres qu'il y a des gens que Dieu a mandatés pour la préparation des fils de Dieu. Est-ce que vous suivez bien? Les gens doivent pouvoir vous voir, me voir, voir ma vie, voir les changements, voir ce que Dieu a opéré et dire effectivement. Ça, c'est ce frère Branham ou le frère Franck n'ont pas besoin de trop parler parce que quand nous voyons ceux à qui le mandat s'est adressé, le ministère s'est adressé, nous voyons la différence entre eux et le reste du monde. Il faut que cela soit clair. Frère, ce n'est plus le moment de rester des personnes qui sont dans la théorie. Il est impératif que vous et moi, nous puissions faire la joie de ceux que Dieu a mandatés pour notre préparation.
Quand tu as des élèves, frère David, tu as enseigné un peu. Je t'ai vu là-bas. Le frère David a enseigné. C'est un ingénieur. Mais le jeune frère, quand tu enseignes et que les gens, les frères, les élèves que tu enseignes, il y en a à l'examen qui, presque toute la classe, est reçue brillamment. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as besoin d'aller dire « je suis un bon professeur » Tu n'as pas besoin. Les gens n'ont qu'à regarder les résultats. Qu'ils regardent les résultats. Tu n'as pas besoin d'aller dire non. Qu'ils regardent les résultats. Mais toi, ta vie, quand on la regarde, on doit pouvoir honorer d'abord le Seigneur lui-même qui a donné sa vie et remercier le Seigneur pour l'envoi de ceux qu'il a mandatés pour nous. Frères et sœurs, le temps est venu. Ça doit être rendu vraiment manifeste. L'apôtre Paul dit, la parole est parvenue à Corinthe, vous avez reçu tous les dons, ça c'est Dieu qui donne. Vous avez vraiment, il n'y a rien qui vous manque, ça c'est la grâce de Dieu. Mais là, il dit, dans la vie de ces hommes-là, à un moment donné, après la première lettre, dans la deuxième lettre, il dit, vous êtes. Quand je lis ça, je dis, ouais. Ils ont traversé le désert aussi. Ah oui, ils ont eu des temps difficiles. Au point que quelque chose qu'on ne voyait même pas parmi les païens s'est retrouvé dans l'église de Corinthe. Un homme qui prend la femme de son père et qui va avec elle, qui couche avec elle. C'est grave. Pourquoi cela? Cela a eu lieu en Israël aussi. Ruben est monté sur la couche de son père. Mais Dieu n'a pas pour autant rejeté son peuple. Alléluia. Il a corrigé ce qu'il fallait corriger. Et les enfants de Dieu à Corinthe ont accepté la correction. Ils ont été perfectionnés par les ministères qui ont été donnés par Dieu. Ils ont accepté la correction. Et chaque correction vient pour ton perfectionnement. Ce n'est pas de citer le ministre ou de citer l'homme mandaté. Il ne faut pas le citer seulement. Il faut que ta vie montre que tu crois son ministère et que son ministère t'a été bénéfique. Quelle est la transformation de ta vie? Quelle est la transformation de ta vie? Quand Pierre, qui n'a même pas une grande connaissance en ce qui concerne la théorie, la lettre et tout ça, quand Pierre prend les Écritures et que par le Saint-Esprit, il met les choses à leur place, il met les choses à leur place, et qu'on regarde, quand vous lisez, par exemple dans Acte, voyez, allez-y dans Acte 6, Acte 3 du moins, Acte 3. Non mais c'est beau frère, il faut que cela puisse être dit de chacun de nous par Dieu. Et Pierre, il arrive, il dit au verset 6, je n'ai ni or, ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Bon, je comprends pourquoi devant, vous voyez, allez-y, dans Acte 4, Acte 4, le verset 13, vous voyez ce qui est dit là? Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Des hommes du peuple sans instruction. Ils n'ont pas de référence de diplôme pour montrer de quelle grande école ils sortent pour pouvoir parler au nom de Dieu. Ils les regardent, ils vérifient. C'est bien cela. Ceux qui sont sans instruction, des pêcheurs de nature. Ils ont appris la pêche, mais n'ont pas appris les choses de la Bible. Ce n'était pas leur fort. Mais quand Dieu les a pris, Dieu dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Alléluia! Il ne les a pas envoyés dans une école de théologie. Il les a gardés auprès de lui pour apprendre. Et désormais, après le temps où le Seigneur s'est investi lui-même en eux, frères, ils étaient tout droit
les lettres écrites de Christ lui-même. Quand on voyait leur vie, ils pouvaient dire, je n'ai ni argent ni or. Ça, nous tous, nous pouvons le dire facilement. Mais il faut pouvoir dire la deuxième partie. Mais ce que j'ai la vie de Christ. J'ai sa puissance qui doit m'accompagner. J'ai ses promesses. Je n'ai pas besoin de m'afficher. Je veux que Christ soit affiché. Si vous vous affichez, frère, ça ne donnera rien comme résultat. Ça va donner des déceptions pour vous-même et pour ceux qui vous écoutent. Mais si Christ est affiché, alors le nom du Seigneur sera glorifié et vous aussi, vous participerez à la gloire. Amen. Alors, ils vont remarquer que c'est des hommes du peuple sans instruction. Et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut me reconnaître? Est-ce que je n'ai pas honte de l'évangile? Je n'ai pas honte de mon Seigneur. Paul pouvait dire, n'aie point honte de moi. N'aie point honte de moi et du message divin que je prêche pour le salut des hommes. N'aie point honte de ça. Parce que ce que je dis là est éprouvé. Amen. Ça, c'est Paul qui disait ça. Que Dieu soit loué. Mais, comme il voyait là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. C'est ce que nous avons lu au chapitre 3, le verset 6 là. Quand ils ont dit au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche, ça n'a pas été de la théorie. L'homme s'est levé et a commencé à marcher. Et le temps arrive où le Seigneur est en train de nous apprêter, de nous perfectionner. Mais ce temps arrive où dans une échelle mondiale, tous les fils de Dieu qui ont été conduits à la gloire vont manifester la gloire de Dieu sur cette terre. Nous n'aurons pas besoin de dire que le réveil a commencé dans telle ville, dans tel pays. Le réveil de ce temps-là, avant que, oui, le Seigneur vienne nous chercher, la manifestation des fils de Dieu sera une chose qui sera visible devant tout le monde. Dans le petit campement, s'il y a un qui se trouve là-bas, le campement saura qu'il y a des fils de Dieu sur la terre. Mais ça commence maintenant, frère. Comment le jeune homme peut-il rendre pur son sentier vers la gloire? Alléluia. C'est en se conduisant d'après la parole de Dieu. C'est en se laissant corriger par la parole de Dieu. C'est en se laissant instruire par la parole de Dieu. Je t'instruis pour ton bien. Ésaïe 48, à partir du verset 17, 18, 19. Vous pouvez relire ça. Quand Dieu donne ses instructions, ce n'est pas pour qu'on les emmagasine dans la tête. C'est pour que cela descendent dans notre âme et que les choses qui sont mal faites, qui sont mal exprimées, soient corrigées et que Dieu puisse dire et que ses serviteurs qui l'a mandaté puisse dire, vous êtes notre lettre. Alléluia. Vous êtes notre lettre de recommandation. C'est-à-dire que quand un chrétien se trouve quelque part, normalement, si un frère s'en va le visiter, on doit le recevoir. La personne doit être rendue recommandable dans la maison à cause de ce que la vie de celui qui est dans la maison témoigne en faveur de toi et moi. Quand Paul partait, il dit, mais je suis le frère Paul, je viens de Corinthe, il dit, Corinthe, c'est toi. Gloire à Dieu. Amen. Dieu nous a visités. Parce que nous avons su ce qui s'est passé là-bas. Parce que Dieu a changé la vie de ces Corinthiens en l'espace de quelques années. Nous savons que c'était des grands adorateurs d'idoles, mais aujourd'hui, nous savons ce qu'ils sont devenus. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Je pense que c'est à Éphèse qu'on parlait de Diane, non? Diane. C'était comme la Vierge Marie aujourd'hui. C'était une déesse. Il y avait des statues qui étaient faites un peu partout. C'était l'adoration. Mais quand Paul et Barnabas sont arrivés, oh là là, c'était dérangeant. C'était vraiment grave. Et c'est là-bas que quand les miracles ont été accomplis et que les gens ont commencé à penser que les dieux sont descendus,
parmi eux, ils ont dit, mais il faut que, parce que ceux-là, ce qu'ils sont en train de faire, ça détourne les gens de notre Dieu. Notre petite Diane est devenue trop petite. C'était la grande Diane. Mais à cause de la vérité de la parole, les gens de cette ville, de cette contrée, ont commencé à se détourner de cela pour marcher avec la vérité. Ça a créé des persécutions. Oui. En Thessalonique, je crois que c'est là-bas qu'ils ont dit, ceux qui ont bouleversé le monde sont arrivés chez nous. Et c'est telle personne qui les a reçus. Gloire à Dieu. Ils étaient déjà, par ce qui s'est passé dans la vie des frères où ils sont passés, ils étaient déjà recommandés avant leur arrivée. Amen. Ils n'avaient pas besoin de l'aide des recommandations. Ils étaient déjà recommandés par les œuvres de Dieu qui accompagnent. Mais s'il n'y a pas de frères pour recevoir, s'il n'y a pas de frères pour vivre la parole de Dieu, comment notre Dieu sera honoré et comment notre Dieu sera connu? Donc nous repartons sur notre verset de base, 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3. Frères et sœurs, c'est le moment de regarder attentivement pour dire, je ne suis pas encore arrivé là où les Corinthiens sont arrivés. Vous savez que c'est dans cette église-là aussi. Au départ, dans la première lettre, Paul les blâmait. Il dit, mais c'est pas, je ne peux pas vous louer pour ce que vous êtes en train de faire. Vous arrivez à la Seine-Seine, d'autres sont déjà ivres, d'autres sont déjà rassasiés, pendant que d'autres sont encore sans repas. C'est pas normal. Je ne vous loue pas pour cela. C'était vraiment, ils étaient vraiment des chrétiens particuliers. Mais est-ce que nous sommes mieux que ça? Non. Eux, au moins, ils ont eu un moment où ils étaient comme ça. Et plus tard, on pouvait dire, vous êtes manifestement, alléluia, manifestement, la lettre de Christ écrite par le Saint-Esprit. Paul dit d'abord, vous êtes notre lettre. On n'a pas besoin de demander qu'on nous recommande vers vous ou bien de chez vous, vers quelqu'un. Vous êtes notre lettre. Les gens peuvent lire le changement que Christ a opéré en vous et ils peuvent reconnaître que personne, si Dieu ne l'a envoyé, ne peut apporter vraiment un message qui change la vie des gens comme ça. Donc c'était suffisant. Mais il continue, il dit, vous êtes manifestement. Ça veut dire que de manière manifeste, vous êtes une lettre de Christ. Écrite par le Saint-Esprit. Pas sur des papiers. Si la pluie vous frappe, votre Bible peut être complètement illisible. Mais si c'est écrit dans votre cœur, frères et sœurs, si ce n'est pas dans votre tablette ou dans votre téléphone seulement, mais si c'est arrivé dans votre cœur, frère, on peut vous arracher toutes les tablettes, on peut vous arracher toutes les Bibles, mais la parole de Dieu écrite dans notre cœur, elle sera toujours lisible. Les hommes verront cela. Ils se rendront compte qu'une jeune fille peut garder pur son sentier et ne pas se prostituer dans un monde où tout est facile. Une jeune fille peut rester pure si elle était dans les problèmes avant de connaître le Seigneur, son passé est purifié. Mais après cela, elle ne va plus se vautrer dans la voie du péché parce que elle est manifestement par la conversion à Jésus-Christ. Elle s'est repentie et elle s'est convertie. Oh, l'apôtre dit, c'est Pierre encore, il dit, mais je sais que vous et vos chefs, vous avez agi dans les temps d'ignorance, vous avez mal fait. Mais maintenant, repentez-vous et convertissez-vous afin que Dieu change votre vie et vous permette de recevoir le rafraîchissement de Dieu. Que l'Esprit vienne rafraîchir votre vie. Que les eaux de la vie jaillissent comme du rocher frappé. Alléluia. Que les eaux jaillissent et que votre vie soit manifestement une lettre de Christ écrite par le Saint-Esprit dans le cœur, dans l'âme, au profond. Et que désormais, votre foi est une ancre solide. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que son nom soit glorifié.
Il dit, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Est-ce que nous pouvons donner cette joie-là au frère Franck aujourd'hui? Est-ce que nous pouvons donner cette joie-là au vieux frère Isaac? Est-ce que partout où nous allons, nous pouvons manifester cette vie-là au point qu'on dit, lui-là, je sais qu'il n'est pas allé très loin à l'école. Ou bien alors, c'est un grand savant. Mais ce n'est pas de ça que nous voulons parler. Amen. Il dit, c'est un grand savant. Nous le savions que c'était un grand, c'était un des grands intellectuels. Mais aujourd'hui, ce qu'il est devenu, c'est vraiment autre chose. Son affaire de Dieu là. Oh, alléluia. Quand on dit ça, ça doit être vraiment un sujet de gloire. Oh, mais Daniel, tu es un intellectuel, tu es le premier conseiller du roi. Affaire de ton Dieu, pendant 30 jours seulement, il ne faut pas invoquer un autre Dieu que le roi. Hein, 30 jours. Il savait que Daniel n'allait pas faire ça. Daniel a continué à ouvrir sa fenêtre vers Jérusalem. L'espérance, selon la prière de Salomon, était que même en esclavage, même hors du pays, même dans une situation de misère, tourner les regards vers Jérusalem et invoquer le nom de Dieu, le Dieu d'Israël. Il va vous secourir, il va vous faire sortir. Et Daniel savait que ce n'est pas la prison des lions, ce n'est pas la fosse aux lions qui est la vraie prison, mais c'est le détournement de la parole de Dieu. Il s'est détourné de ce qui était facile. Il a dit, je continue d'adorer mon Dieu et de montrer mon espérance dans notre retour sur la terre d'Israël un jour. Et quand il priait, les gens sont venus tumultueusement. Ils ont ouvert, ils l'ont trouvé, ils disent, oh, on l'a eu. Hey, le roi, maintenant, on va le tuer et puis c'est fini, nous, on va prendre la place. Non, ce n'est pas possible. Ils l'ont jeté dans la fosse et puis le Seigneur l'a accueilli. L'ange de l'Éternel campe toujours auprès de ceux qui le craignent, autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Et là, je crois que c'est David qui pouvait dire dans le psaume 139, tu m'entoures par devant, par derrière, et tu mets ta main au-dessus de moi. Une telle science, je ne peux pas l'expliquer. Alléluia. Je comprends pourquoi quand David, le frère, le serviteur de Dieu, notre père Abraham, Dieu lui a dit, je suis ton bouclier. Le bouclier de Dieu, il est vraiment différent du bouclier que les hommes fabriquent. Vous voyez comment Dieu est? Il dit, tu m'entoures par devant. Normalement, le bouclier se place devant. Même le bouclier romain, il est grand, il va, mais il n'est pas derrière. Tu m'entoures par devant, tu m'entoures par derrière, et tu as ta main au-dessus de moi. Ça ferme comme ça, ça ferme comme ça, et ça ferme comme ça. Alléluia! Le diable va vous atteindre où? Comment? Et ce n'est même pas que Dieu vous donne un bouclier. Il est votre bouclier. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Celui qui doit vous toucher, doit toucher Dieu d'abord. Et traverser Dieu. Je ne vois pas qui. Oh, que son nom soit loué. Que son nom soit loué. Exalté. Cette assurance-là, vous devez l'avoir, frère. Nous devons l'avoir, frère. Sœur, nous devons avoir cette assurance en nous approchant de Dieu. Nous ne sommes pas prédestinés à être ce qu'on veut être, non. Nous sommes prédestinés à être semblables à l'image de son fils. C'est-à-dire que quand on nous voit, quand vous voyez la photo de quelqu'un, est-ce que vous devez avoir des problèmes à reconnaître la personne? Quand vous connaissez la personne et puis vous voyez sa photo, c'est ce que tu avais dit, non, David. Tu connais quelqu'un et puis tu vois sa photo. Tu dis, mais c'est la photo du monsieur là. Amen. Quand on nous voit, on doit dire, mais c'est la photo de Jésus-Christ. À Antioche, quand ils ont vu, ils ont dit, mais c'est pas possible. Mais on dirait que c'est Jésus-Christ. Mais c'est des petits Christ. Oh, que Dieu soit loué. C'est des partisans du Christ. Oh, que Dieu soit loué. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que dans ta famille, les gens peuvent lire la lettre
que Dieu adresse au monde. Le message de l'amour de Dieu, est-ce qu'il est perceptible en moi et en toi? Ou bien c'est les critiques, c'est les calomnies, c'est la médisance, c'est l'orgueil, c'est tout ce qui est autre. Non, il ne doit pas en être ainsi. Frère, nous avons une mission. Faire lire le message divin du salut de Dieu au travers de notre vie. Quand vous lisez la lettre qui est adressée par quelqu'un, mais vous voyez au travers de la lettre la pensée exprimée. Vous voyez au travers de la lettre la volonté de cette personne-là exprimée. Alléluia. Nous devons l'être. Et le monde doit voir la volonté de Dieu exprimée. Et les gens doivent pouvoir comprendre clairement qu'il n'y a rien de meilleur que de devenir chrétien. Paul dit, je ne suis pas venu à vous avec une supériorité de langage, ni avec des discours persuasifs. Il y a beaucoup qui discourent maintenant. Mais ça ne suffit pas. Arrêtons les discours. Allons dans la présence de Dieu. Demandons au Seigneur, rends vraiment ta parole lisible au travers de ma vie. Que Dieu soit loué. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Les serviteurs de Dieu, que Dieu a mandatés, n'ont jamais cru qu'ils peuvent faire quelque chose eux-mêmes. Et les chrétiens aussi, à qui le ministère s'adresse, doivent savoir qu'ils ne peuvent rien faire par eux-mêmes. Mais celui qui t'appelle, c'est le même. C'est le même qui te justifie. Alléluia. Et c'est le même qui te glorifie. Car ceux qu'il a d'avance connus, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de Dieu. Et ceux qu'il a connus, il les a quoi? Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a sanctifiés et glorifiés. Ils sont amenés à marcher de gloire en gloire. Pierre avait son temps où Dieu pouvait lui dire, tu ne peux pas marcher avec moi jusqu'au bout actuellement. Tu vas être obligé de t'arrêter à un niveau. Mais plus tard, tu pourras marcher complètement. Tu pourras marcher là où je marche. Tu pourras donner ta vie, certainement pour moi. Et ce plus tard est arrivé, et voyez l'apôtre Paul qui s'exprime sans peur. Il dit, mais jugez en vous-même. Est-ce qu'il est convenable qu'on essaye de vous plaire et de déplaire à Dieu? Alors que pour plaire à Dieu, pour montrer son amour pour Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Aimer Dieu, c'est garder sa parole. Car celui qui aime Dieu, il doit le prouver en gardant sa parole. Jean 14, verset 23. Le verset 24 dit, celui qui n'aime pas Dieu, il ne garde pas sa parole. Celui qui ne garde point sa parole n'aime pas Dieu. Frère, qu'est-ce que tu fais? Sœur, qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais? Comment tu agis? Quelle est ta préoccupation? Quand tu viens pour la réunion de prière, est-ce que c'est pour que Dieu n'a qu'à te donner ça? Dieu n'a qu'à te donner ça? Dieu n'a qu'à te donner ça? Ou bien tu veux toi-même te donner à Dieu pour devenir une lettre? Une lettre de Christ écrite. Si tu prends cette position, le reste sera donné par-dessus tout. Le reste se sera donné par-dessus tout. Alors, Matthieu 6, 33 s'accomplit pour toi. Cherche premièrement à être une lettre écrite de Dieu, écrite de Christ, par le Saint-Esprit, que les hommes peuvent lire. Et même si tu n'as ni or ni argent, ils pourront voir qu'avec le nom de Jésus et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce que tu demandes à Dieu leur sera accordé. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Nous allons nous arrêter là pour passer du temps dans la prière. Amen. Nous allons passer du temps dans la prière. Et dans ce sens-là, vous pouvez lire encore 1 Jean 3. Vous voyez que c'est tellement beau. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Dieu
veut que nous soyons des enfants qu'il amène doucement, doucement à la gloire. Voyez quel amour, 1 Jean 3, le Père nous a témoigné que nous soyons appelés enfants de Dieu. Il voulait envoyer, conduire beaucoup d'enfants à la gloire. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a point connu, il l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est. Mais c'est maintenant, frère. C'est maintenant que ta vie doit être transformée. Parce qu'il a le pouvoir, la puissance de s'assujettir toutes choses. Et le prophète pourrait dire que la parole de Dieu a le pouvoir de transformer. Quand Dieu dit, vous serez saints, car je suis saint, celui qui accepte ça, qui dit, amen, Seigneur, j'accepte, je reçois. Le Seigneur, par cette parole qui est sortie de sa bouche, le sanctifie. Et le rend capable de ne plus marcher dans la prostitution, de ne plus marcher dans les dénigrements, de ne plus marcher dans les calomnies, de ne plus marcher dans les choses qui sont complètement en dehors de ce que Dieu a dit. Dieu le rend capable. De quelqu'un qui courait derrière l'argent, en quelques instants, dans la présence du Seigneur, quand les yeux des Zachée ont croisé les yeux du Seigneur, il y a eu un changement dans son âme. Il arrive à la maison, quelques minutes plus tard, il dit, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Il n'avait pas encore reçu un enseignement du message de la fin des temps comme vous et moi. Il venait de croiser le Seigneur. Mais tous ceux qui étaient dans la maison ce jour-là, même ceux qui critiquaient le Seigneur, mais il est allé loger chez un homme pécheur. Quelque temps plus tard, il se rend compte que ce que Zachée a dit là, la moitié des biens, il l'a donné aux pauvres. Et puis il a commencé à rembourser quatre fois. Ils se sont rendus compte que cet homme-là, il a changé. Mais comment il a changé? Il a rencontré celui qui change. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il a été rendu capable de ne plus s'attacher aux choses de la terre, mais aux choses d'en haut. Et cela n'était pas en théorie, mais en action, par la puissance du Saint-Esprit. Sa vie avait été changée. Ses objectifs ont été changés. Il avait d'autres motivations. Alléluia. Il était devenu une autre créature, une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes étaient passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Lui, il ne lisait pas ça. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, non. Il était la manifestation de ça. Il peut dire, mais vous-même, vous voyez que les choses anciennes sont passées. Vous voyez que toutes choses sont devenues nouvelles. C'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui m'a rendu capable par Jésus-Christ. J'ai porté les regards seulement sur lui. Son regard m'a traversé. Et il m'a parlé. Quand sa parole m'a traversé, je suis descendu en même temps. Alléluia. Je l'ai reçu et je sentais dans mon âme la séparation. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est capable de séparer. Oh Dieu, jointure et moelle. Non, c'est beau. Vous pouvez lire ça dans Hébreux 4, verset 13. La parole de Dieu est efficace. Elle est puissante, comme une épée à double tranchant. Elle sépare. Alléluia. Elle opère une circoncision dans le cœur par le Saint-Esprit. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que désormais, en marchant dans la rue, en marchant au service, est-ce que désormais, parmi ta famille, les gens peuvent dire, cette fille-là est manifestement une lettre de Dieu pour nous. Dieu s'adresse à nous par sa vie. Est-ce que quand tu arrives, les gens peuvent se sentir gênés de ce qu'ils étaient en train de faire? Est-ce qu'ils peuvent se sentir interpellés? Si ce n'est pas le cas, c'est pour ça que tu es là ce soir. Ce n'est pas pour dire, priez pour moi, je vais gagner travail, je vais gagner. Dieu sait que tu as besoin de travail. Quand il t'a donné des diplômes, il sait que tu dois avoir du travail pour nourrir ta famille. Quand tu as grandi, il sait que tu dois travailler pour pouvoir te marier. Quand tu as grandi, il sait qu'un jour tu dois recevoir le vœu d'un frère. Tout ça là, c'est des choses secondaires. Laissez ça, c'est vrai, vous pouvez, si vous êtes un peu trop préoccupé, vous pouvez adresser quelques petites prières. Seigneur, vraiment,
ça me préoccupe, souviens-toi de moi. Mais que votre inquiétude, que vos soucis changent de direction. Comment plaire à Dieu? Comment désormais être une lettre écrite de Dieu que les gens peuvent lire? Oh, quand vous êtes devant les hommes, les gens doivent pouvoir être convaincus de péché. Parce que les gens aiment parler n'importe quoi. Mais quand tu arrives, oh, dis, oh, arrêtez. Le Christ arrive. Se moque de vous. Mais en réalité, c'est parce que vous êtes gênant. Nous devons être la lumière qui éclaire. Nous devons être le sel. Pas par des paroles vides de vie, mais des choses que les gens voient que tu es réellement dans ce que tu dis. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Quiconque a en lui cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Si tu crois qu'un jour le Seigneur viendra et que tu seras complètement transformé de ce que tu es pour devenir exactement ce que le Seigneur est, déjà la transformation commence maintenant. Dans ton esprit, dans ton âme, un cœur nouveau, un esprit nouveau, ça doit être visible. Et alors la transmutation du corps sera la dernière partie et c'est de ça qu'il est parlé, que nous avons été scellés du Saint-Esprit jusqu'au jour de la rédemption. La rédemption concerne la dernière partie. Voyez, notre corps connaîtra ce qu'on appelle aussi le bénéfice de la rédemption. Alléluia. Nous aurons un corps semblable à son corps de gloire. Que son nom soit loué. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit exalté. Amen. Est-ce que nous pouvons lire une dernière? Dans deux Jean. Au premier, c'est au premier verset. 2 Jean, c'est un seul chapitre. L'ancien à qui il y a l'élu et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Amen. Oh, c'est beau, hein? À qui il y a et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Pourquoi? Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Frère, toi-même, tu dois faire la fierté de ceux qui aiment la vérité. Frères et sœurs, il faut que chacun de nous, là où se trouve, les frères qui te connaissent là, puissent avoir de la joie, de la fierté, à dire, c'est mon frère. C'est mon frère que j'aime dans la vérité. Mais si tu fais la honte de tes frères, parce que dans le psaume 73, il est dit, si je voulais parler comme eux, je trahirais la race de tes enfants. Nous ne pouvons pas en parler, nous ne pouvons pas nous conduire comme les autres. Vous voyez ici, l'ancien est heureux. Il dit, j'aime tes enfants là. Et ce n'est pas moi seul qui les aime dans la vérité. C'est même tous ceux qui ont connu la vérité, aiment toi et ta famille, tes enfants. À cause de la vérité qui demeure en nous, et qui sera avec nous pour l'éternité. Si la vérité est entrée en toi, elle ne sortira plus jamais. C'est pourquoi Dieu ne sauve pas aujourd'hui et puis demain tu es perdu. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas te tromper. Il ne peut pas élire quelqu'un et puis la personne est incapable de remplir son mandat. Non, ce n'est pas vrai. Alléluia. Quand Dieu choisit là, il a connu d'avance. Il a prédestiné. Et au moment marqué, il manifeste la personne, dit, c'est ce que tu dois faire là. C'est ce que tu es. Ça là, c'est toi. C'est tout. On n'invente pas. On ne s'attribue pas. Mais c'est Dieu qui attribue. Que son nom soit loué. Alors, il dit, par la grâce et la miséricorde et la paix, que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous, de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, dans la vérité et l'amour. J'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Alléluia. Oh, j'ai été fort heureux, fort réjoui. Le vieux Jean, dans ses dernières lettres qu'il écrivait aux croyants, il peut dire, j'ai été fort réjoui de trouver que quelques-uns de tes enfants marchent dans la vérité. Oh, que Dieu nous aide. Est-ce que la lettre de Dieu est écrite vraiment dans nos vies? Est-ce qu'on peut voir la vérité qui est écrite, non pas sur la Bible seulement, non pas sur les brochures, mais écrite sur la table de nos cœurs? Est-ce qu'on peut percevoir ça?
Est-ce que les hommes autour de nous qui ne veulent pas lire la Bible, qui ne veulent pas lire les brochures, peuvent lire notre vie et être attirés à Christ? Ce n'est pas la théorie, ce n'est pas la prédication. Moi-même qui prêche, je dois me vérifier. Et vous et moi, nous devons ce soir aller devant Dieu, à genoux, assis, debout. Que notre sujet principal soit, Seigneur, viens et aide-moi. Je veux être manifestement la lettre de Christ, écrite par le Saint-Esprit, gravée sur des cœurs. Il a parlé d'un cœur de chair. C'est ce cœur qui a été changé là. Parce que dans Ézéchiel, il a dit, je vais vous donner un cœur nouveau. Je vais ôter votre cœur de pierre et je vais mettre un cœur de chair. Et c'est dans ce cœur de chair. Alléluia. Quand vous avez expérimenté la nouvelle naissance, Dieu peut graver ainsi sa parole. Quand la prédication est donnée par l'action du Saint-Esprit, ça se grave dans votre cœur. Ça se grave dans votre cœur. Ça se grave dans notre cœur. Et vous pouvez dire comme notre frère David, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et ce qui est dit dans Hébreux 2, verset 1, peut devenir une réalité pour vous et moi, c'est-à-dire la parole que nous recevons là, nous la croyons, nous la gardons, nous la serrons. Nous ne la laissons pas se détacher de nous, de peur que nous soyons emportés loin d'elle. C'est elle qui nous donne du poids, c'est elle qui nous permet d'être vraiment pesants aux yeux de Dieu. C'est la parole de Dieu quand elle est vécue, sinon nous n'avons pas de poids. Que Dieu bénisse chacun de nous et qu'ainsi, vivant de cette grâce-là, nous soyons gardés dans l'équilibre et pas emportés par les petits vents ou les grands vents, mais que nous soyons gardés dans l'équilibre. Si nous sommes une lettre de Christ, si nous sommes la manifestation de l'amour de Dieu, si nous sommes la manifestation du sacrifice vivant de Jésus-Christ pour acheter des hommes, oh, si nous sommes l'évidence que le Seigneur n'a pas souffert et mort en vain, si nous sommes cette évidence-là, frère, Dieu sera honoré, il sera glorifié au travers de ma vie et au travers de ta vie. Qui croit que Dieu peut le faire pour lui? Je vous pose la question encore. Qui croit que Dieu peut faire de lui ce qu'il a fait de ces Corinthiens-là? Moi, je crois. Hein? Ne regardez pas ce que vous avez été jusque-là. Mais comprenez que Dieu, il a le désir de le faire pour chacun de nous. En un seul jour, il a changé Zachée. Et la transformation a continué progressivement. Moi, je crois que Zachée était à la chambre haute. Je crois qu'il était parmi. Ce n'est pas écrit quelque part. Mais ceux qui ont reçu vraiment la visitation du Seigneur, ils ont suivi le Seigneur jusqu'au bout. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Nous allons nous mettre à genoux, assis, debout, mais que chacun parle à Dieu. Selon la parole que nous avons écoutée de dimanche et que nous avons écoutée tout à l'heure. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.